Townsend. Venez, vous allez adorer. On a besoin de gars en pleine forme par ici. D'accord, Timmy. Feu ! J'ai consulté votre dossier. Et soyez tranquille, je suis prêt à me battre pour ma patrie. Tant que vous savez reconnaître la marche avant de la marche arrière, moi ça me va. Allez, prenez ça. Je vais vous présenter Big Bess, la femme de vos rêves. J'ai notre nouveau pilote, les gars. Finch. Edward. C'est ta première fois ? Hé, hey, de quoi tu parles ? Fiche-nous la paix, MacManus. T'inquiète pas, elle veillera sur toi, d'accord ? Bien, les gars. Là, c'est pour de bon. Nos ordres sont de percer la ligne allemande et de détruire au passage leur position d'artillerie. Finch, tout de suite. Continuerons d'avancer vers la ville de Cambrai, où on m'a assuré qu'il y aurait du vin, des femmes et des chansons, ce qui devrait vous plaire. Ah, MacManus. Mon Dieu, vous êtes sûr qu'il sait conduire au moins ? C'est bon, MacManus. Compris, les gars. Faites votre boulot. Veillez les uns sur les autres, et Bess veillera sur vous. Et que le Seigneur ait pitié de nos âmes. On tira tous ensemble, pas vrai, Edward? Oui, bien sûr. Plein gaz, pilote! Calme, ce pigeon pourrait vous sauver la vie. C'est notre seul moyen de communication. Ça va là-haut, Edward ? Oui ! Je commence à attraper le coup. Tu faisais quoi au pays ? Je conduisais une voiture. J'étais chauffeur. Halte ! Nous sommes assez loin. L'infanterie avancera au premier coup de sifflet. Ensuite, ce sera notre tour. Dieu du ciel, quelqu'un a déjà vu une chose pareille ? Moi, oui. Hélas. Écoutez, nous allons détruire les canons qui sont près de ce moulin. Laissez du champ à nos hommes. Voilà le signal. Plein gaz. Tirez-y. L'artillerie fait de la fouillie de nos hommes. Qu'ils ne soient pas morts pour rien. Avancez. T'as vu ça ?
Ça va? Ça va? Bien sûr! Vite! Vite! Sortez de là!
pris à bord un maudit Jonas et Finchy est mort. Nat Manus, ressaisissez-vous. Amenez-nous à ce village, pilote. C'est là que leur artillerie est retranchée. Ce canon va nous ralentir. Détruisez-le. Quelqu'un nous en veut. Une grenade.
évacuer ces pièces. Comprenez ce que je dis? Oui.
agent messager. Attrapez-le. Il arrive. Les ordres venant du front. C'est Hansen. Ordre de tirer. 3, 4, 3, 2, 3. Dépêchez-vous. En bouge, en bouge. Ce sera bientôt la fin. Content d'avoir servi avec vous. Vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Des ordres aveugles. Et le hasard. Dans tous les cas, on va y passer. Je vais vous entendre, MacManus. C'est bien clair. Très bien, sœur. Edwards, démarrez. Je vais conduire. Sortez et partez en éclaireur. On ne joue pas les héros, compris? Tâchons de tous arriver en un seul morceau, d'accord, Edwards? En cas d'ennui, on sera juste derrière. Steinung!
magique, pilote. C'était magique. On se croirait même pas à la guerre, hein. Reculez, je vais franchir les barbelés. Je n'y vois rien. Edward, passez devant et guidez-nous. Et ne vous éloignez pas trop. Imbécile, reprenez-vous. On compte sur vous pour s'en sortir. Faites attention à vous, on va s'occuper de ça. Je n'y vois rien. Edward, passez devant et guidez-nous. Et ne vous éloignez pas trop.
Vous allez devoir veiller sur nous. Bess est en piteux état. On a failli la perdre. Selon la carte, on devrait bientôt être sorti de cette satanée forêt. On doit d'abord traverser le pont qui est ici, et ensuite ça ne devrait plus être long. J'ai encore besoin de vous. Sur le pont, les Allemands! Il faut s'occuper d'eux! Il y a un avant-poste droit devant, et il semble qu'ils soient préparés pour accueillir Bess. On va attirer leurs tirs. Contournez-les et attaquez par derrière.
suffira pour la journée. Edward, grimpez, prenez les commandes. Fichons le camp d'ici. Bon sang, quel bazar! Prenez les commandes et emmenez-nous loin d'ici avant que toute l'armée allemande ne nous tombe sur le rame. Change les bougies. Vous devez localiser le village. Alors, vous le voyez? Vous voyez le village? Oui. Oui, je le vois. Et dites-moi si vous voyez nos chars. Est-ce que vous voyez nos chars là-bas? Edwards. Oui. Mais ce ne sont plus les nôtres maintenant. On dirait que, pour le réparer, on va devoir aller dans ce village. Très bien. Allons-y, Edwards. En route. Bonne chance. Mort avant l'aube, et le char bougera pas. C'est foutu. Quoi? Vous voulez qu'on abandonne la mission? C'est pourtant clair, Finch, Pritchard, nous tous. Tout le monde s'est fait avoir. Si c'est ce que vous voulez, McManus, foutez le camp! Je vous interdis de me parler comme ça. J'ai plus de missions à mon actif que vous n'en aurez jamais. Et foutez-nous la paix! On va s'en sortir tous ensemble, tu parles. Allez, trouver les pièces, réparer le char, ne pas mourir. Joli coup. Un de moins, il en reste trois.
On est à mi-chemin.
C'était le dernier. Allons retrouver Bess. Je crois que j'ai fait fausse route. Oui, on s'est tous un peu égarés. Eh ben, montrez-nous la voie. C'est pas vous le pilote? C'est du joli travail, les gars. Ouais. On s'en sort pas mal. Ouais. C'est bon, j'ai terminé. Alors, on la remet en route. J'ai toujours fait ce qu'il fallait! Vraiment tout! Toute ma putain de vie! Toute ma vie, je me suis attaché à suivre les règles! Suivre les règles! Alors, qu'est-ce que tu me fais? Espèce de putain, de putain de saloperie de machine! Allez! Allez, épaisse! Ressaisis-toi, tu peux pas m'abandonner! T'es une battante! Alors maintenant, tu te bats! Maintenant. Impossible de savoir ce qui nous attend. Eh ben, c'est encourageant. Allez, les gars, on a tenu bon jusqu'ici. C'est pas pour arrêter maintenant. Bess nous a amenés ici. Elle nous mènera au bout du chemin si on fait notre travail.
que le blindage est plus mince. Char léger, gardez la ligne de tir. Alignez-moi, Edward. On a eu ce petit salaud. Edward, continuez à avancer. MacManus, attendez une visée nette. Ce tir doit toucher. Mettons-nous en route.
attaque en route située derrière. C'est un point de rassemblement. Ils se préparent à reprendre Cambrai. Alors on fonce à travers. Et quoi? On les laisse surprendre les nôtres au point de rendez-vous? Alors, quel est le plan? Nous avons l'initiative. Si on frappe vite et fort ici, on peut leur porter un sacré coup. D'accord. Allons les massacrer. Avancez. Continuez à les débousser. Et espérons qu'ils ne comprendront pas qu'il n'y a que nous. Restez sur lui, restez sur lui! Une pièce de campagne.
Qu'elle aurait pu l'être. Ils vont revenir. Alors on s'enterre ici et on se bat. Laissons Bess faire ce qu'elle fait le mieux. De l'extérieur.
Allons-y! Il est fini! Vous n'avez rien de mieux? Forteresse mobile, alignez-vous! On marche.